Le premier ministre Daniel Cablon d'Uncon a visité hier lundi plusieurs structures sous sa tutelle pour voir comment elles se portent, entre autres le projet d'assistance post-conflit, le projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise. Les travaux d'actualisation de gouvernance électronique ont été restitués au ministre Bruno Conné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication. Cette actualisation va mettre en cohérence les projets du plan d'action de la gouvernance électronique. En Centrafrique, les troupes étrangères sont mises en cause. Français et Tchadiens sont accusés de prendre parti. Les premiers pour les chrétiens et les seconds pour les musulmans. Les troupes tchadiennes vont quitter Bangui pour le nord, une réorganisation menée pour plus d'efficacité selon la MISCA. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Dans l'actualité ivoirienne, le premier ministre Daniel Cablon d'Uncon a visité hier lundi plusieurs structures sous sa tutelle pour voir comment elles se portent, entre autres le projet d'assistance post-conflit, le projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise. Hamza Diaby. Ce lundi, une journée bien chargée pour Daniel Cablon d'Uncon. C'est ce jour qu'a choisi le Premier ministre pour rendre visite à ses collaborateurs travaillant dans l'ensemble des structures sous tutelle de la primature. Ces structures qui œuvrent pour la reconstruction des zones CNO et de la Côte d'Ivoire en général. Visite des locaux, échange avec le personnel, séance de travail. Le chef du gouvernement a vu de près le fonctionnement de ces structures. On reçoit les rapports réguliers. Mais une des choses est de recevoir un rapport, une autre est de voir par soi-même, parce qu'on peut voir aussi les difficultés qui ne sont pas toujours traduites dans les rapports que les directeurs peuvent vous dire directement, ou bien que les agents eux-mêmes, puisque vous rencontrez les agents au niveau de leurs conditions de travail, etc., peuvent vous le dire. Donc c'est toujours bon de prendre le contact donc, du terrain. REC, CNO, reconstruction des zones CNO, PAPC, projet d'assistance post-conflit et PAIMSC, projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise. Des structures qui ont pour domaine d'intervention la reconstruction, l'éducation, la santé, le développement rural et l'assistance des victimes de violences basées sur le genre. À la question de savoir si elles fusionneraient un jour, le Premier ministre est formel. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Les bailleurs de fonds sont différents. Donc le RECNO, c'est la Banque Islamique de Développement. Le PAPC, c'est la Banque Mondiale. En ce qui concerne le PAIMFC, c'est la Banque Africaine de Développement. Bien, chacune des structures tient à faire un certain nombre d'actions particulières. Moi, je crois que ce n'est pas la peine de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le jour où on sentira qu'ils se retirent, éventuellement, à ce moment-là, peut-être l'idée donc d'une fusion peut venir. À l'occasion de cette visite, le CEDSI, le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, logé au sein de l'École nationale d'administration et l'Imprimerie nationale de Côte d'Ivoire, ont également ouvert leurs portes au Premier ministre et sa délégation. Le gouvernement ivoirien a sa politique d'amélioration des conditions de vie et de travail du corps préfectoral a construit et équipé deux préfectures dans la région du Bélier. Il s'agit des préfectures de Didiévi et d'Atiégouakrou. Elles ont été inaugurées par le Premier ministre et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Kwasi Mamadou. Une nouvelle préfecture entièrement équipée pour le département de Didiévi. Cette bâtisse d'une valeur de 150 millions de francs CFA est une réalisation de l'État de Côte d'Ivoire, soutenue par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'assistance post-crise, PAPC. Avec cet ouvrage, le gouvernement veut améliorer les conditions de travail des autorités administratives et aussi assurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Pour la construction de ce bâtiment, ce sont 47 jeunes à risque qui ont été recrutés dans le cadre du métier du bâtiment. Nous avons donc deux objectifs, construire des bâtiments et réinsérer des jeunes. Nous avons donc recruté des jeunes qui n'avaient pas de qualification particulière, que nous avons formés sur une période de 2 mois et que nous avons formés pratiquement durant le temps de la construction de ce bâtiment. Ça a duré 11 mois, les jeunes qui ne savaient rien faire ont appris et aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont prêts à être réinsérés dans le tissu social. Projet identique dans le département d'Atiégouakrou. Ici, ce sont 51 jeunes à risque qui ont contribué à la construction de la nouvelle préfecture. Tous ces jeunes, en plus de leur formation, bénéficient également
de financement des micro-projets à hauteur de 250 000 francs CFA chacun pour leur prise en charge socio-professionnelle. C'est donc la Côte d'Ivoire qui est en chantier, la Côte d'Ivoire qui bouge et qui va vers l'émergence de l'épuisance routière pour 2020. Alors donc, surtout du courage à tout le monde. Et il faut que les gens comprennent que l'emploi est l'élément très fort de la politique du gouvernement, notamment l'emploi des jeunes et des femmes. Les préfets bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour le renforcement de leur capacité de mobilité. Nous pensons que dans ces conditions, nous travaillerons sans difficulté, puisque nous n'aurons pas le souci des climatiseurs, des eaux de pluie qui mouillent les papiers. C'est un bâtiment neuf et nous nous inscrirons donc dans la gestion effective et efficace de l'administration au niveau donc, de notre département. Ces instruments me permettront de m'acquitter de ma fonction préfectorale avec efficacité. Et je travaillerai désormais dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions. Tout comme Didier Vie et Atigouakro, ce sont 16 autres préfectures qui ont été construites ou réhabilitées sur l'ensemble du territoire national, toutes connectées à Internet. Le coût global de ce projet est de 2 milliards de francs CFA, avec à la clé l'insertion de 1000 ex-combattants et jeunes à risque. 150 enfants en situation difficile au quartier Arras de Trècheville ont été conviés à un repas de Noël organisé par la Fraternité Cœur Uni de Jésus et de Marie. Le partage de ce repas a eu lieu à la communauté Saint-Égidio à Trècheville, nous dit Christelle Menant. Communion, partage, joie, c'est l'esprit qui prévalait dans les locaux de la communauté Saint-Égidio dans la municipalité de Trècheville ce samedi. 150 enfants du quartier Arras, en situation de précarité, conviés à un repas de Noël par la Fraternité Cœur Uni de Jésus et de Marie, groupe de prière, d'évangélisation et de promotion humaine. Les membres financent eux-mêmes les actions de charité qu'ils mènent. Leur credo, Ésaïe 58, versets 7 à 10, « Partage ton pain avec celui qui a faim, recueille chez toi le malheureux. » Aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos maisons, nous offrons beaucoup de cadeaux à nos enfants. Donc ces enfants n'ont personne pour leur offrir des cadeaux. Donc nous avons choisi ces enfants parmi les plus pauvres, pour leur apporter la joie, l'amour, et pour qu'ils se souviennent qu'ils sont aimés. Parmi les enfants conviés, une catégorie souvent marginalisée. Refusant de se faire appeler enfant de la rue, mais plutôt enfant de l'arc-en-ciel, on a rencontré Cyril, enfant dans la rue, passionné de danse. Cyril compte bien utiliser son talent pour sortir de la rue. Il y a des vieux pères, vieilles mères, ils ont des petits shows, ils m'appellent de temps en temps pour aller prester. La danse me permet des fois à payer ce que je n'ai pas moi-même. Sinon, j'ai fait beaucoup de boulot, mais c'est la danse qui est dans ma tête. Pour s'en sortir, Cyril bénéficie aussi de l'assistance psychosociale de la communauté Saint-Égidio. Comme lui, ce sont des dizaines d'enfants dans la rue qui ont été ou sont en voie d'être réinsérés socialement. L'actualité nationale, vous l'avez compris, est donc marquée par les fêtes de fin d'année. D'abord, la fête de Noël et puis la fête du Nouvel An. Ce sont donc les préparatifs et les marchés gris du monde. Les commerçants font de bonnes affaires, nous dit Serge Colliard. Grand marché d'Abobo. Nous sommes à quelques heures de la fête de Noël. Il est 11h ce lundi 23 décembre quand des véhicules d'approvisionnement en vivrier font leur entrée dans le marché. On est quitté à zone là, hier à 22h. On prend les produits vivriers, tels que la banane. On vient livrer les femmes. En plus de la banane, le marché ne manque pas de provisions. Mais à quel prix? La graine, nous faisons le sac à 10 000. Et puis la banane, nous plaçons 6 régimes à 2500. Les vendeurs de poulet, de viande de bœuf et autres rassurent. Les prix n'ont pas flambé malgré la période des fêtes. La pondeuse, on les voit à 3500 les autres années. Mais cette année, il y a une réduction de 200 francs chaque poulet. Parce que les patrons ont fait une réduction pour que tous les Ivoiriens puissent bénéficier de moins d'un poulet pour faire la fête. On vend le kilo de viande 1200. Selon une enquête d'opinion menée à Abidjan auprès des consommateurs, les ménages consacrent plus de la moitié de leur budget de fête à la nourriture et à la boisson. Le reste est dépensé dans l'esthétique et l'habillement. C'est un jour un peu spécial parce que ça se fait une fois dans l'année. Ça me coûte 6 500. 2 500 francs la presse et 4 000 francs les tissages. Le marché grouille de monde, la ferveur monte et une situation qui semble profiter aux commerçants. J'espère que pendant les fêtes, que ça marchera. Souvent même on vient à 5h,
n'y a pas une cliente même. On s'assoit, on attend souvent deux clients, trois clients. Les ménagères, quant à elles, crient parfois à la surenchère. La période, elle n'est pas trop bénéfique parce que beaucoup de choses sont chères. Il faut qu'on essaye de faire diminuer le prix des denrées alimentaires pour que tout le monde puisse en avoir et puis en acheter et que sa famille puisse manger. Malgré les difficultés, les Abidjanais se disent prêts à passer d'agréables moments de fin d'année en famille. Aussi, chacun essaie de consacrer le maximum d'argent à la réussite de la fête. En cette période de fête de fin d'année, le gouvernement ivoirien a décidé de penser aux pensionnaires de la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nguinema Koulibaly, leur a fait des dons. Sidonie Waka Davila et Gabriel Zaninou Emmanuela. Un geste à l'endroit des détenus en ces moments festifs traduit tout l'intérêt que le gouvernement porte à ces personnes qui n'ont pas imaginé se trouver à cet endroit un jour. La MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Les pensionnaires ont bénéficié de la part d'une structure commerciale de la place d'un don de vivres d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Ce don, comme l'a signifié le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Nguinema Koulibaly, permettra aux locataires de la MACA d'avoir des repas améliorés. C'est pourquoi il a remercié le donateur et souhaité que d'autres structures abondent dans le même sens. Aussi vrai que le prisonnier doit accepter de changer de comportement pour une réinsertion sociale future, il doit être aussi traité avec beaucoup d'égards, a insisté le ministre à l'endroit des pensionnaires et des agents d'encadrement. Ce ne sont pas des perdus de la société. Il faut que nous posions de temps en temps des actions qui leur permettent de garder l'espoir. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Et Dieu merci, nous avons pu bénéficier d'une oreille attentive. Les forces de sécurité et les gardes pénitentiaires n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu de la part du ministre de la Justice la somme de 500 000 francs CFA pour les encourager et les motiver à doubler de vigilance en cette période. Et tout à fait autre chose à présent, les travaux d'actualisation de gouvernance électronique ont été restitués au ministre Bruno Conné, ministre de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication. Cette actualisation va mettre en cohérence les projets du plan d'action de la gouvernance électronique et du cadre stratégique de la réforme administrative. C'était Taya Moussoukro avec Gabriel Zanilou Emmanuela. C'est en octobre 2011 que le projet de gouvernance électronique a été lancé. Par ce projet, le gouvernement veut développer une administration moderne pour faciliter la vie aux populations. Aujourd'hui, les activités de ce programme doivent être non seulement révisées, mais surtout alignées au plan national de développement, PND. Durant 3 jours à Yamoussoukro, des experts ont réfléchi à l'actualisation du projet. Je reste convaincu que les projets retenus par les différentes commissions, en vue de moderniser le fonctionnement de l'administration, de bâtir et renforcer les socles de la gouvernance électronique, contribueront sans aucun doute à l'ambition si chère du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Les travaux des experts ont été remis au ministre Bruno Nabagné Koné. La gouvernance électronique permet d'évaluer les besoins des administrations publiques et d'améliorer la compétitivité. Le plan national de développement prévoit 50 milliards de francs CFA pour les projets de la gouvernance électronique d'ici à 2015. La réalisation de l'actualisation du schéma directeur de la gouvernance électronique offre un cadre d'analyse et de concertation globale qui implique de façon inclusive toutes les parties prenantes, notamment les partenaires techniques et financiers et la société civile. À l'issue des travaux, les experts recommandent la mise en place de l'observatoire des TIC et le guichet unique de l'administration, ce qui permettra aux citoyens de s'adresser une seule fois à l'administration publique. Autre information, les ingénieurs du génie civil de Côte d'Ivoire se sont réunis en atelier ici à Abidjan. Ils veulent apporter leur contribution au succès du programme national de développement entrepris par le gouvernement ivoirien. Témoin Christelle Menon. Quels sont les différents mécanismes de financement des projets jeunes?
Quelles sont les opportunités de partenariat jeune entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Ces points, entre autres, seront abordés du 18 au 22 décembre lors d'une rencontre d'échanges et d'affaires. Rencontre organisée par l'Association des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, AGCI, nouvelle plateforme d'échange, de conseils et d'assistance aux jeunes porteurs de projets d'entreprise. La rencontre a été aussi l'occasion pour des jeunes entrepreneurs maliens, burkinabés, togolais et ivoiriens de réfléchir à la mise en œuvre de partenariats et d'opportunités d'affaires. Jeter les bases, un point d'union des jeunes entrepreneurs de l'Afrique de l'Ouest et qui seraient extrapolés du jour au lendemain à l'ensemble de l'Afrique. C'est ça notre souhait, c'est ce que nous espérons. Faire de l'entrepreneuriat jeune une passerelle d'intégration sous-régionale, promouvoir l'auto-emploi pour résorber le chômage de la jeunesse. La Côte d'Ivoire compte près de 5 millions de jeunes diplômés sans emploi. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont au chômage, qui peuvent trouver des solutions à leur situation à travers l'entrepreneuriat, mais on a besoin d'avoir un cadre environnemental adapté. C'est une initiative vraiment à saluer. Ils anticipent sur ce que l'État, à un moment donné, sera amené à leur demander de faire. Les jeunes présents à ces assises, conscients d'être le socle de l'émergence ivoirienne, ont choisi de faire leur, selon le président de l'AGCI, cette célèbre citation de John Fitzgerald Kennedy: ne demandez pas à votre pays ce qu'il peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. Une initiative pour permettre aux jeunes d'entreprendre et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable était hier soir au parc national du Banco à l'Aquadio. Rémi est allé se rendre compte de l'avancée des travaux pour pouvoir permettre aux populations de visiter ce parc dans des conditions agréable, nous dit Alexis Ouedraogo. Une excursion improvisée dans le parc national du Banco. En tête de file, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Alakwadio Rémy. Son hôte, le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, fait le guide. Sur la piste retracée pour faire le tour du site, des espèces d'arbres en voie de disparition se découvrent. À bonne altitude, là où se perche la maison de la nature, l'on prend contact avec les commodités aménagées sur le site. Il faut dire que le parc national du Banco est ouvert au tourisme depuis tout le temps. Simplement, ce qu'on a fait, c'est d'améliorer les infrastructures à l'intérieur. Une famille X qui veut visiter le parc national du Banco arrive à l'entrée. Il y a des agents qui sont là. Ces agents vont les aider par l'obtention d'un ticket pour faire la visite du Banco. On a des agents qui peuvent les guider dans tout ce qu'ils vont faire à l'intérieur du Banco. À l'intérieur, on peut faire la marche pour avoir l'air pur, on peut faire la bicyclette, on peut faire du vélo, on peut faire, comment on appelle, du cheval. Au terme de la visite, le ministre s'est dit ravi de la bonne avancée des travaux. Il y a un chronogramme d'exécution, donc je suis venu voir si nous sommes en conformité à ce chronogramme d'exécution. Il y a la clôture du parc national du Banco qui fait 25 km. On a eu un financement pour 8 km. On va bientôt commencer cette clôture pour faire en sorte que ce parc-là ne soit pas attaqué et en tout cas prise à partie par les populations riveraines et que nous puissions donc conserver cette nature. Il a exhorté les populations à venir massivement visiter les parcs. Autre sujet, des autorités préfectorales, des chefs de village et de communautés viennent de renforcer leurs connaissances sur la gestion du foncier rural dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la localité de Mans. Objectif de cet atelier, avoir les connaissances nécessaires pour mieux apprécier les questions sur le foncier rural pour éviter les conflits. Honorine Kakoubla, Anigori. C'est en vue de contribuer au respect des droits fondamentaux de l'être humain, aux solutions durables et à la promotion de la cohésion sociale dans l'Ouest, touché par la crise post-électorale, que se tient cet atelier. Et surtout, c'est au vu du flux d'immigrants venus du Nord, du Sud et des pays voisins que International Rescue Committee et le Conseil norvégien pour les réfugiés ont mis en œuvre dans le cadre du partenariat pour la transition financé par la Commission européenne les projets Restauration de la cohésion sociale et protection des droits humains dans les régions du Guémon et du Cavali, deux régions fortement touchées par le conflit ivoirien. Cet atelier s'est articulé autour de quatre points, entre autres des projets Ago Ayemou et le renforcement de la cohésion sociale à travers la gestion des conflits fonciers par les autorités, en collaboration avec les chefs coutumiers.
À l'ouverture de cet atelier, le préfet des régions du Tonkoui, Jérôme Soro, a salué l'initiative de cette rencontre initiée par le Conseil norvégien pour les réfugiés et International Rescue Committee. Il a demandé aux participants de suivre avec beaucoup d'intérêt cet atelier. Claude Agnero, responsable du bureau de International Rescue Committee, a quant à lui situé le contexte de cet atelier. Pour lui, les projets Cohésion sociale et Ago Ayemou ont contribué au retour de la paix dans les régions du Guémon et du Cavali. C'est pourquoi ils ont décidé d'organiser cet atelier pour capitaliser les expériences acquises et les leçons apprises au cours de l'exécution de ce projet. Les participants trouvent cet atelier salutaire. Un exercice de simulation d'extinction de feu a eu lieu au dépôt régional de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Geste aussi objectif de l'exercice, tester la capacité des exploitants à faire face en cas d'incendie, nous dit Gabriel Zanilou Emmanuela. Ce mercredi matin, la sécurité sonne l'alarme générale du dépôt de Yamoussoukro de la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, GESTOSI. La sous-cuvette du bac R2 est en feu, il menace les installations environnantes. Malgré les premières actions d'urgence, la flamme prend de l'ampleur. Les travailleurs font appel alors à la Sodexam et aux pompiers. Dans le domaine pétrolier, il y a deux cas de figure de feu très importants. Le feu de bac et le feu de cuvette. À ce niveau, nous avons affaire à un feu de cuvette et un feu qui est venu des vents. Nous passons d'abord à la phase de temporisation, en attendant que les secours extérieurs nous apportent les nécessaires pour nous appuyer et ensuite faire ce qu'on appelle l'extinction totale. Plusieurs cellules de crise sont installées pour évacuer les blessés et évaluer le dispositif selon l'évolution de l'incendie. Ils viennent à bout du feu en 30 minutes, alors commence le refroidissement des bacs. Les structures ont été réchauffées, donc il faut qu'on les refroidisse pour ne pas qu'il y ait une reprise de feu. La GEST aussi n'est pas à son premier exercice de simulation d'extinction d'incendie, selon le directeur régional de la société. C'est un moyen que nous avons pour tester à la fois nos installations, nos hommes et notre réactivité face à certaines situations. Quelle que soit l'origine du feu, les agents de la GEST aussi et leurs partenaires doivent faire évacuer l'entreprise et éteindre le feu en 45 minutes. Cet exercice a lieu chaque fin d'année pour évaluer le niveau de sécurité des installations de la GEST aussi. L'organisation non gouvernementale Ma Maison vient de lancer ses activités de formation de jeunes filles au métier de maison. Elle veut les rendre plus professionnelles et plus dynamiques dans l'exercice de ce métier et lutter contre le chômage de la jeune fille. C'était en présence de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. Reportage Gabriel Zanilou Emmanuela. Créée il y a seulement un an, l'ONG Ma Maison a déjà formé près d'une centaine de filles au métier de maison. Récemment, l'ONG a décidé de lancer officiellement ses activités pour inciter les filles vulnérables à s'intéresser au métier des domestiques afin qu'elles sachent prendre soin d'une maison. Les jeunes filles n'ayant aucune formation à la matière se promènent de maison en maison dans nos villes et quartiers à la recherche de travail. Or, en face, souvent, les employeurs sont prêts à payer plus cher pour obtenir un meilleur service. Mais la main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine n'existe pas. Présente à la cérémonie de lancement des activités, le ministre de la Solidarité a exhorté les filles à saisir toutes les opportunités de formation qui se présentent à elles afin de sortir de la précarité. Vos métiers que vous allez apprendre ici sont des métiers nobles. Je vous encourage à sensibiliser vos amis, vos camarades, vos sœurs en leur disant: l'espoir est permis. De nombreuses ambassades, de nombreuses personnalités quelquefois se tournent vers nous. Madame le ministre, dans vos institutions de formation et d'éducation féminine, est-ce que nous pouvons avoir des dames pour s'occuper de nos enfants? Un guide pédagogique a été offert à la fondatrice de l'ONG par le directeur du département ingénierie de l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, représentant le directeur général de la structure.
La direction de la pédagogie et de la formation continue est en séminaire pour traduire le manuel de référence de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un document relatif à l'usage des langues maternelles pour favoriser la culture de la paix. Guérogé Nguesson, Serge Colliard. Selon Patrice Silui, directeur de la pédagogie et de la formation au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, pour toucher la sensibilité d'une population, le médium le plus puissant et le plus accessible est sa langue. C'est bien l'objectif de cet atelier sur la traduction du manuel de référence de la CEDEAO. Ce manuel est relatif à la culture de la paix, à la démocratie et à l'intégration régionale. Il sera traduit en trois langues, le Dioula, le Baoulé et le Guéré. Ces langues n'ont pas été choisies au hasard. Elles ont été retenues après une observation attentive de leur nombre de locuteurs ainsi que leur implication dans le processus de développement et dans l'actualité douloureuse récente de notre pays. 51% de la population ivoirienne est non alphabétisée en français. Le message de paix, de réconciliation et de développement contenu dans le manuel de la CEDEAO sera mieux véhiculé dans les langues maternelles. Notre apport ici, c'est d'aider à la traduction de ce manuel pour que le peuple guéri puisse bénéficier, en tout cas, du contenu qui aide à la paix dans notre peuple. Après la traduction, notre souhait, c'est de vulgariser le contenu de ce manuel, aller un peu dans chaque village, tout sera lire, expliquer, pour que le peuple puisse vraiment s'approprier l'enseignement de ce manuel. Le panel de cet atelier est composé d'experts de la CEDEAO, de traducteurs d'agents, du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il se donne 2 jours pour formaliser et adopter le chronogramme des activités de traduction. Motobé, localité située à une trentaine de kilomètres d'Alépé, vient d'abriter le lancement des consultations foraines du paludisme, une cérémonie qui a permis aux responsables de la santé d'exhorter les populations à utiliser les moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme. Thérèse Tapeyoboué. Pour le premier semestre 2013, le district sanitaire d'Alépé a enregistré un taux de morbidité au paludisme de 32%. Toute chose qui a amené les responsables du district sanitaire à organiser des consultations foraines du paludisme à Motobé, localité située à une trentaine de kilomètres d'Alépé, dans la sous-préfecture d'Oglaopo. Cette campagne concerne également les villages de Alosso 1, Aoulou Chantier, Yapokwa, et une sans quoi, tous situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Ces consultations foraines visent à renforcer la prise en charge du paludisme simple, le dépistage de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois, les mesures de prévention contre le paludisme chez les femmes enceintes et les enfants de moins d'un an. Elles visent également à sensibiliser les populations aux pratiques familiales essentielles. Les populations ont donc été exhortées à utiliser effectivement les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qui leur ont été gracieusement offertes. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir avant de poursuivre cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le mercredi 25 décembre 2013, demain donc, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, les troupes étrangères sont mises en cause. Français et Tchadiens sont accusés de prendre parti les premiers pour les chrétiens et les seconds pour les musulmans. Les troupes tchadiennes vont quitter Bangui pour le Nord, une réorganisation menée pour plus d'efficacité selon la MISCA. Le piège centrafricain se referme sur l'armée française. Après avoir abattu 3 hommes armés, présumés être des rebelles de l'ex-Séléka, les soldats de l'opération Sangaris ont dû faire face dimanche à une manifestation de plusieurs milliers de musulmans exigeant leur départ. Non la France, 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 non
Cette population les accuse de protéger les chrétiens sans défendre les musulmans et de mener un désarmement unilatéral visant uniquement les anciens rebelles, c'est les cas. La France, les actions de Sangaris n'est pas partiale. Ils tuent d'un côté, ils laissent des gens qui se font lyncher. Et depuis que l'arrivée de l'opération Sangaris, nous sommes complètement divisés et il y a beaucoup d'exactions. Et pour cela qu'on est contre la France. Privée de la protection des Séléka, la communauté musulmane est désormais la cible de la vengeance des milices d'autodéfense, les anti-Balaka. Une situation qui a amené un conseiller du président Michel Djotodia à menacer de faire sécession. Dans un délai d'une semaine, nous allons prendre la décision pour que tous les nordistes musulmans, nous allons rentrer au nord pour demander la cessation de la République centrafricaine en deux, nord-sud. De son côté, le président Djotodia n'a pas confirmé cette menace et a lancé un nouvel appel à l'unité nationale et à la tenue rapide d'élections. La communauté chrétienne, de son côté, dénonce toujours les exactions des ex-Séléka et s'interroge à son tour sur la présence française. Les Séléka sont barricadés la route, ils disent non à l'armée française. Et puis en ce moment, les armées françaises sont là, à 300 mètres de la coalition Séléka, ils n'ont rien fait en ce moment. Et on a peur, on ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. Pour compliquer la situation, le contingent tchadien de la Force d'Afrique centrale est accusé de soutenir les Séléka. Ce matin, ils ont tiré sur des manifestants qui réclamaient la démission du président Djotodia. Faisant un mort, l'armée française a dû intervenir pour calmer la foule. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.